J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'ai vaincu le sablier, les secondes grappillées, la pesanteur m'a plus c'est fini. Yo! Bah t'es là, toi? Ah oui, je suis là! Yo les dragons, bienvenue sur cette nouvelle vidéo! Eh oui, je ne suis plus en France. J'ai déménagé pour un certain temps. Pour une certaine période. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais rentrer en France. Donc, ici, les salles de sport sont ouvertes. Les bars sont ouverts. Les restaurants sont ouverts. La seule restriction, il faut avoir le masque. Et il y a un couvre-feu à 22h. Il était à 23h il y a quelques semaines de ça. Et maintenant, il est à 22h. Mais au moins, il fait beau. Il y a du soleil. Là, je suis dans mon nouvel appartement. Okay, j'ai fui Reims. J'ai fui la France. Et voilà, ici, on est bien. Donc, on est à Tenerife. Donc, je suis déjà venu une fois à Tenerife. Je vous mets la vidéo ici dans un onglet quelque part. Comme ça, vous pourrez la check. Et bah, ici, c'est le bon compromis pour que je puisse reprendre le sport. C'est-à-dire... J'avais pas arrêté, j'avais continué entraînement à la maison, entraînement en dehors sous 5 degrés, il faisait froid, gros pull, pas le temps de chauffer, pas le temps de transpirer, c'était très dur. Donc ici les salles de sport sont ouvertes, donc je vais pouvoir en profiter et faire du contenu YouTube en plus pour vous proposer des entraînements, que ce soit même au poids du corps, au moins ici il y a du soleil, donc poids du corps, street workout, street lifting, bodybuilding, donc vous aurez de tout. Et en plus je suis ici pas spécialement en vacances, je suis ici pour travailler en même temps. Déjà, j'ai travaillé dans de meilleures conditions qu'en France, donc je pourrais travailler sur mes programmes parce que bah, je suis en train de travailler sur mon site internet personnel et des programmes, e-book, etc. Donc j'ai besoin de filmer du contenu pour les exercices que je vais vous proposer dans les e-book, etc. Parce que comme vous savez, je suis coach aussi, j'ai mon diplôme de coach, donc j'exploite pas assez ce... ça tout simplement. J'ai des personnes en suivi, mais je me dis peut-être bah, avoir mon site internet perso avec des programmes, etc. Pour ceux qui veulent des programmes, des e-books, etc. pour suivre des entraînements, et ben je vais vous donner ce contenu là. Voilà, donc Tenerife, là il y a un peu de vent. Ah, tu peux t'approcher un petit peu, même si un peu de vent c'est pas grave, histoire de montrer. Donc une petite piscine ici dans la résidence. Voilà, en face, un terrain de tennis, ok, des terrains de tennis. Donc, on approche un peu dans le salon, là on va sortir un peu parce qu'il y a peut-être du vent. Donc, aujourd'hui, là on est dans le salon, je vous ferai la petite visite à la fin de la vidéo de l'appartement, ok, c'est un petit appart tranquille, on est dans une résidence qui est assez cool sur l'île. Donc aujourd'hui, ça va être une séance PEC, ok. Spec dans la salle, on va y aller tranquille, on va pas faire beaucoup d'exercices, on va pas pousser lourd, ok. Là je suis avec Achille qui filme, il m'a suivi pour je sais pas, il va rester une petite période aussi, je sais pas s'il va rester aussi longtemps que moi, mais il va rester une petite période, donc j'en profite, hein, il va pouvoir me filmer et tout. Donc aujourd'hui on va rencontrer un abonné qui sera avec son frère qui habite ici à Tenerife et bah, il va m'accompagner dans une séance de PEC, voilà, tout simplement parce que j'ai quand même contacté quelques salles sur Instagram. D'ici, il y a pas mal de salles de sport. Il y a une seule qui m'a répondu qui m'a autorisé à filmer. Donc j'ai autorisation de filmer, de faire des photos, etc. etc. Donc je vais aller check la salle, elle a l'air d'être pas mal sur les photos. Elle s'appelle 360 Fitness. Puis on va voir si, si ça se passe bien quoi. En tout cas, je sais qu'il faut garder le masque. Mais bon, franchement, c'est chiant. Mais au moins les salles de sport sont ouvertes. Parce que en France, elles sont pas toutes fermées, sauf quelques-unes sur Paris. Mais nous, à Reims, il n'y avait rien du tout depuis le mois d'octobre, je crois. Donc là, ça va être la reprise. Et puis voilà, aujourd'hui, sur cette vidéo-là, je vais vous montrer un peu ce que je vais faire aujourd'hui. Premier jour à Tenerife, enfin, deuxième jour, on est arrivé dans la nuit. Donc, dans la nuit d'hier. Donc aujourd'hui, bah, je vais vous montrer un peu la journée. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, parce qu'il y aura pas mal de vidéos qui vont arriver ici. Pas mal de contenu et le pouce, etc. etc. Bon. Là, je pense que j'en dis un peu trop. On se retrouve directement à la salle.
YSB. Yo les dragons, bien arrivé à la salle. Donc la salle c'est 360 fitness. Et là je suis accompagné de deux frangins, deux abonnés. Donc ils font du street workout, c'est ça? C'est ça, street workout. Toi ça fait pas longtemps que tu en fais? Ça fait 15 ans. Un an? Et toi ça fait plus longtemps? Ouais, de musculation, mais de street workout un an aussi. Ouais, ok. Donc sinon ça fait à peu près 4-5 ans que tu pratiques un peu la musculation, ouais, ouais, c'est ça. Donc pourquoi ils parlent français alors que je suis à Tenerife? Parce qu'à la base, ils sont belges, c'est ça? Ouais, donc voilà, ils ont vécu en Belgique et ils sont arrivés d'ici, toi depuis 5-6 ans? C'est ça, 5 ans. Et toi depuis? 2 ans. 2 ans, voilà. Donc on va partager un entraînement ensemble. Bon, là dans cette pièce-là, parce que la salle elle est grande, dans cette pièce-là, le son, ça va. Donc je vais peut-être intervenir pendant le jour. Aujourd'hui on va faire du son spec. Donc on va mélanger un peu du poids de corps et des exercices body, tout simplement. Et ils vont me suivre. On va tenter. Et avec, qui me suit, il va suivre aussi. Allez, c'est parti les gars. Bon les gars, deuxième exercice. Donc il y a Damien. David. David, putain. Bon. Non, voilà, on je suis pas doux pour les noms, je te jure, pour être un. Il y a David qui a skip le premier exercice parce qu'il a une douleur à l'épaule. Donc sur cet exercice-là, il pourra le faire. Vous allez voir, c'est une machine, elle est bizarre, c'est que c'est une guidée sans être guidée. En fait, on a une liberté de mouvement pendant qu'on pousse. Donc soit on peut être. Pendant la poussée, on peut partir à l'extérieur et partir à l'intérieur. Vous allez voir. C'est bizarre. Et c'est pas mal.
qu'une masque. Là, on est, on va manger. Hein. Donc là, c'était le truc qui était ouvert pas très loin. Donc frites, poulet, salade. Voilà, on voit. On a tous les quatre pris le même plat. Et maintenant, vous pouvez voir leur visage. Parce que tout à l'heure, on avait le masque dans la salle. David. Donc David et Kevin, le frangin. Voilà. Donc voilà. Bon, ça va, l'entraînement, c'est cool. Ça, c'était bien, c'était génial. Ouais, bon, c'était cool. La prochaine fois, on va faire un entraînement au poids du corps et ça, on sera plus dans ton domaine, du coup. On va s'amuser, on trouve un bon parc. C'est ça. Et puis, on va se faire plaisir. Donc, bah là, repas, hein. Post-workout. On a trouvé notre salle, donc on s'est inscrit à la salle où on est, 360 fitness. Sans fichier, c'est terminé. Voilà. Donc j'ai eu un prix, 40 euros. Ouais, parce que t'es le chouchou apparemment. Non, je suis pas le chouchou de la salle. Caligno, donc Caligno, qui veut dire Caligno, elle l'a appelé Caligno. La quoi? La meuf à laquelle elle l'a appelé Caligno. Caligno. Ah, Caligno, ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chérie, elle t'a appelé. C'est les Canariens. Non, ici, mais, non mais c'est une façon de dire. C'est comme si elle disait mon garçon, mon petit, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Oui, oui. Donc voilà, là on a un pass. Donc voilà, je pense qu'on va rester sur cette salle là. Et puis de temps en temps, on va peut-être tester d'autres salles. Mais la seule journée, franchement, on est bien. La seule inconvénient, c'est de garder le masque. Et la musique, elle est pas top. Mais bon, on peut pas tout avoir. Voilà, la salle était super. Ouais, franchement, elle est bien. Même toi, tu. Ouais, elle était génial, vraiment génial. Donc voilà, et on a payé 40 euros pour un mois. Après, on verra si on reste 2 mois ou 3 mois, mais un mois, c'est 40 euros. C'est cool. J'ai pas payé les frais. Je sais pas, j'ai eu un prix parce que j'ai dit que je faisais des vidéos YouTube. Donc voilà. Les dragons, bon, retour à la maison. Donc là, je vais vous montrer un peu l'appart. Ok, là, on vient de revenir de course. Je vous montre. Donc, première étape, la terrasse. Là, il fait nuit. On a fini l'entraînement. On a mangé avec David et Kevin. Putain, je me souviens de leur nom, incroyable. Bravo. Donc, on a mangé un peu avec eux, comme vous avez vu. Après, on est parti faire des courses et là, on est de retour à l'appart. Donc, voici la vue. Donc là, c'est la petite terrasse. Donc, on peut prendre le petit déj, prendre le soleil. Vous avez un terrain de tennis en face, la petite piscine en bas, ok. Donc là, le salon, ici. Donc, le salon, canapé, petit canapé. Ici, voilà, on s'installe, petite lampe, petite table. Bien sûr, j'ai pris le pistolet pour masser et tout. Petit fauteuil. Ici, vous avez une télé. Donc, c'est une petite télé, mais bon, c'est pas grave, hein, franchement. J'ai pas pris de PlayStation ou quoi que ce soit. Franchement, vu qu'il fait beau et tout, franchement, la télé, je la regarde pas. J'ai beaucoup bossé sur les programmes, etc., sur les montages vidéo, et puis autant les balader, etc., quoi. Donc, ensuite. Frigo, table ici, donc cette table là elle est allongeable, on peut la mettre dans la terrasse pour prendre un petit déj à plusieurs, ok, si on est plusieurs. Tiens, en même temps je vous montre quelques courses vu qu'on a fait des courses. Donc voilà les courses. Ici vous avez du lait de coco, donc ça c'est la marque espagnole, hein, Escoquesta, ok, lait de coco. Donc ça c'est de l'eau pétillante, j'aime bien l'eau pétillante. Ici vous avez de la confiture, donc la confiture diet, ok, donc il n'y a pas beaucoup de sucre. Donc en fait pour 100 grammes vous avez 41 calories, franchement c'est que dalle. Donc ensuite on a acheté de la viande rouge, on n'a pas trouvé de steak. Donc voilà, on mange ici, du poulet, le poulet c'est ici, polo, ça se dit en espagnol, je parle pas espagnol les gars, je parle un peu anglais mais pas espagnol. Donc là on a acheté ça pour goûter, c'est... tortillas, ok, voilà. Et là vous avez la plainte de Monster zéro calorie, voilà. Oh, quel goût c'est ça? Ça là franchement c'est une des meilleures. Ultra Paradise c'est un peu pomme. Pomme melon, je dirais. Ouais, pomme melon, tu sais comme les bonbons, les fils verts et tout, ça a le même goût. Donc ce qui est bien ici, les Monster 1€. Donc on gagne 40 centimes sur les Monster. Donc voilà. Ensuite on a acheté quelques veges quand même. On va vous montrer ça. Donc des brocolis. Voilà, Dino. Il n'y a pas beaucoup de légumes congelés, hein. On n'en a pas trouvé beaucoup. Voilà, bon, je t'ai. Ensuite, ici, alors, on va aller hop, par ici, là c'est la cuisine. Donc là, bien sûr, il y a le cheat meal qu'on a rêvé. Grosse pizza. On n'a pas terminé. Ouais. Reste un petit peu. Donc, vous voyez, à fond 42 cm et une pizza, 9 euros. 9,90 euros, un truc comme ça, franchement, c'est pas cher du tout.
Donc là, donc là ici on a des œufs, j'ai acheté des œufs. Donc du pain complet, on a du pain complet, donc intégral. Donc quand c'est intégral, c'est complet. Ensuite au niveau des compléments alimentaires, vous avez moins 20% avec le code Dragon. Donc j'ai pris John pour les articulations, oméga 3, vitamines, j'ai pris les basiques, hein, créatine, BCA et pré-workout. Ok. Donc j'ai pas pris ma whey de chez QNT parce que ça prenait trop de place dans la valise. D'accord. Donc du coup là à la salle 360 fitness on a testé cette whey là. Donc c'est de l'isolate, ok, et c'est goût chocolat Kinder. Et franchement elle est pas mal du tout. Donc pure whey. Non c'est même pas de l'isolate. Non, c'est de la purée, mais c'est pas l'isolate. On s'est trompé, on pensait que c'était l'isolate, mais non. On s'est pris une banane. On s'est pris une banane, mais c'est pas grave. Donc, et puis après, bah, faut qu'on d'avoine, bien sûr. Voilà, faut qu'on d'avoine. Là, on a toutes les épices, on a de quoi faire à manger ici. Voilà, ça, c'est la cuisine, donc c'est cool. Donc, le plan de travail pour faire à manger, c'est pas mal par rapport à l'appart où je suis à Reims. Ok. Donc, ensuite, on monte. Hein. Ici, dans cet endroit-là, vous avez des toilettes. Hein. Donc, parce qu'il y a deux toilettes. Le WC, voilà. Je vous fais une petite visite, mais ça se fait, vous en avez rien à foutre, mais je veux quand même la visite, ok. Donc là, on monte. En haut, c'est là où il y a les chambres, la salle de bain. Alors ici, la salle de bain. Bon, après, c'est dommage, j'ai pas trouvé, mais j'aurais bien voulu avoir une baignoire, mais c'est une douche. Voilà. Douche ici, voilà. Vous pouvez voir la chick qui filme dans le miroir. Yo! Ici, ici. Là, ce qui manque, c'est le petit jet d'eau. Pour les fesses. Ils font ça en Thaïlande et puis au Japon, etc. Et ensuite, vous avez deux chambres. Donc, ça, c'est ma chambre. Voilà. Vu que je vais rester ici assez longtemps, donc voilà, chambre. Hein. Voilà, une de place confortable, gagnée au pire ciseau fail. Voilà, c'est ça. La petite qui est avec moi va rester peut-être autant de temps que moi ou moins longtemps, on ne sait pas. Donc là, il y a une deuxième chambre. Et cette deuxième chambre-là, c'est deux lits, une place par contre. Voilà. Ça fait le taf. Confortable, les lits, une place ou pas? Ça va? Voilà, c'est les chambres, voilà, on est là pour dormir, c'est le reste de la journée. Voilà. Ouais, voilà, après c'est cet appartement, on l'a trouvé, il est pas cher. Donc c'est cool, et puis il y a ce qu'il faut. On va rester, je vais rester minimum un mois, voire deux, je sais pas encore. Donc minimum un mois sûr, après peut-être deux mois, trois mois, on sait pas, selon ce qui arrive, selon aussi en France comment ça se passe. En tout cas ici c'est cool. Par contre l'escalier, il est quand même un petit peu dangereux. Donc, je vous laisse là sur cette première vidéo. J'espère que cette vidéo vous l'avez appréciée. J'ai filmé un peu le contenu de la journée. Après, je pense que je vais faire d'autres vlogs et puis d'autres vidéos où ça sera que training. Ok, peut-être pec, épaule, enfin des exemples de training. Mais moi, c'est la reprise. Hein. Là, c'était pec, c'est la reprise. J'ai une petite douleur à l'épaule. J'ai une faiblesse. Du coup, j'ai pas pu mettre lourd au développé incliné. Donc, j'ai joué sur la contraction. J'ai pas mis super lourd. Petite douleur. D'ailleurs, si je trouve un ostéo ici, ça serait cool. Donc, je sais pas quand est-ce que je vais mettre en ligne cette vidéo là, si je vais activer ou si je vais attendre de rentrer, je sais pas, bref. Maximum de pouces, des partages, et puis mettez en commentaire ce que vous voulez comme vidéo. Là j'ai accès aux salles de sport et je vais aussi faire des vidéos aussi en street workout, ok. Donc là de toute façon je suis ici, je vais préparer des programmes comme je l'ai dit dans mon intro, hein, dans l'intro de la vidéo, je vais préparer des choses. Donc j'ai beaucoup à faire, hein. c'est pas les vacances, c'est une vie. En fait, ici, avec la titre, on va vivre normalement, tout simplement. Plus ou moins parce qu'il y a un couvre-feu quand même à 22h. Il était à 23h, mais il passe à 22h. Mais tout est ouvert, entre guillemets. Donc, on va pouvoir vivre convenablement, s'entraîner. On doit mettre un masque, c'est pas grave. Au moins, on peut s'entraîner. Avant, il y a les gens se plaignaient en France où on doit mettre des masques et tout pour s'entraîner. Maintenant, on peut même plus s'entraîner dans certaines villes en France. Donc ici, nous, on met le masque. C'est tout. Au moins, on peut s'entraîner, on a accès. Etc, etc. Donc c'est cool, on se retrouve au prochain épisode. Et puis j'espère que vous de votre côté ça se passe bien en France. D'ici là ça se peut, bah il y aura du changement en plus vers le positif que le négatif. Donc voilà, sur ce je vous laisse là, je vous dis juste no fake, just training. Tout le monde a le droit au succès. Je veux dire, tout le monde veut la réussite. La vraie question c'est à quel point tu veux réussir. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour l'atteindre ?